Dans son édition du 9 juillet, Public a dévoilé une interview de trois anciens candidats de la Star Academy. Et deux d'entre eux n'ont pas vraiment épargné leurs camarades de promotion Jonifé. La musique, oui la musique. Je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Lors de leur retrouvaille pour le tournage d'un prime événement, pour les 20 ans de la Star Academy. Jean-Pascal Lacoste, Mario Barr avec Chia ou encore Karine Adadou ont en effet retrouvé leurs amis rencontrés au château de Damary-les-Lys et ont donné de la voix à leur côté. Même Jonifé était présente. Mais les deux hommes gardent un souvenir amer de ce moment comme ils l'ont confié à Public. Dans Touche pas à mon poste, Jean-Pascal Lacoste avait regretté que son ex ne participe pas au documentaire de la Star Academy. Un avis dont il lui a fait part en face, lors du tournage du prime. Elle m'a répondu que je ne pouvais pas dire ça. Qu'elle n'avait aucun problème avec la Star Ac. C'est peut-être moi qui me trompe. Je ne sais pas. La page a été très vite tournée. On a chanté et on a bien rigolé. La seule chose que je regrette, c'est de ne l'avoir vu que pendant l'enregistrement du prime. A expliqué le fiancé de Delphine Tellier. Si avec les autres élèves de leur promo. Ils ne se sont pas lâchés pendant deux jours, Jonifé n'était pas très présente. On a passé toute la journée de répétition de samedi avec Nolwenn, qui était super. Qui a mangé avec nous. À côté de ça, tu as Jonifé qui n'est pas venu aux répétitions. Qui est arrivé le dimanche, 10 minutes avant de monter sur scène et qui a fait semblant. Bah on a fait semblant et voilà. Je ne lui ai parlé que 2 minutes dans les loges. Avant qu'on chante. J'aurais au moins aimé boire un coup avec elle, se parler un peu de la vie. A poursuivi Mario. La belle Karine a nuancé leurs propos en disant que c'était 2 jours de tournage intense et que tout le monde était fatigué. Elle a aussi regretté qu'on en fasse trop autour de Jonifé. Ce n'est pas si grave qu'elle n'ait pas pu rester. A-t-elle tempéré? Malgré tout, Jean-Pascal espère la revoir. Comme avec Olivia Ruiz qui, bien qu'elle ait mis la Starac de côté, continue à garder contact avec lui. Je comprends que l'on puisse renier la Starac. Mais pas que l'on renie ses amis. C'est ça que je trouve triste. Pourquoi Jonifé n'a pas envie de passer un bon moment avec nous? On respecte son choix. On a le droit de se dire que c'est dommage, a conclu Mario. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Public du 9 juillet 2021.